Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie du petit microbe. Comment je m'appelle? De la petite Myriam. Ya! Oh doucement. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai un gros défi pour elle et pour Younes. Je vais tout simplement leur proposer d'avoir les yeux bandés et ils vont devoir composer leurs meilleurs tacos et leurs meilleures pizzas. On va voir qui des deux va gagner. Vous êtes prêts? Yes. Bah non, on n'est pas prêt. Mais un like poteau avant de commencer la vidéo et là bah on ouais, sera prêt. Abonne-toi. Vas-y, laissez le temps de mettre le like. On va laisser un petit peu. Allez, c'est parti. Allez. À partir de maintenant, mets ton bandeau s'il te plaît. Et du coup, je vous présente les deux boutons, donc le bouton yes et le bouton no. Dis-moi, il est où le bouton? Le bouton yes est à ta droite et le bouton là no est à ta gauche. Okay. Younes, tu peux nous amener les aliments, c'est parti. Vous avez vu, il y a des bons trucs pour faire un méga tacos et il y a des trucs par contre comme ça. Comme ça, ça va être une masterclass. Le défi peut commencer, donc Myriam, est-ce que t'es prête? Oui. Le yes est à ta droite, le no à ta gauche, c'est bon? Mais okay. Je sais pas si elle voit vraiment pas là. Aïe. C'est bon, elle voit pas, c'est sûr, elle voit pas, vous inquiétez pas. Alors, moi j'aimerais bien, je précise, avoir 4 patatacos. Et pour la nourriture, what, c'est quoi ça? Et pour la nourriture, what, c'est quoi ça? Ok, on commence directement, Myriam, t'es prête ou pas? Ouais. Yes or no? Non. Oh. Super. Yes or no? Yes! J'en suis sûr que c'est bon. On a la base, donc là c'est carré, elle a choisi, c'est une dariste qu'elle a choisi. Myriam, je te dis pas que tu vas péter un câble après. C'est sûr, c'est incroyable. Maintenant, il faut l'intérieur, ok? On commence directement. Yes or no? Yes or no? Oh yes! Ok. C'est sûr que c'est un truc dégueulasse, j'en suis sûre et même certaine que c'est un truc dégueulasse. C'est sûr que c'est des bonbons ou je sais pas. Yes or no? Non, Myriam, tu penses que c'est comment là pour l'instant? Je pense que c'est pas bon du tout. Yes or no? Oh. En vrai, je pense et là ça va. Je vais pas trop t'aider, mais là c'est vraiment une dinguerie ton. Dis-moi stop, Younes. Ton tacos, hein. Ah mais une dernière et stop, maintenant on va étaler ça avec un couteau tranquille. Enlève tes arrête, cheveux, arrête, il y aura des cheveux dans le tacos. Espèce de malade. Yes or no? Yes. Ouh. Ah non, on peut pas, on peut dire où comme ça peut être claqué hein. Ok. Oh la dinguerie. En vrai je pense que un tacos il est garni de n'importe quoi. Il y a des c'est sûr il y a n'importe quoi dedans. Yes or no? Yes. Oh la dinguerie, c'est n'importe quoi. Ça partait très mal, hein. Ça partait très mal, mais je vous promets que ça. Pour l'instant, je sais pas. Ouais, ça prend une tournure qui. On veut pas trop l'aider parce qu'en fait, elle va pas du tout savoir ce que c'est. C'est quand elle va goûter qu'elle va savoir ce que c'est. Ouais. Ok, parfait. Imagine que tu mets des bonbons dedans et ça fond. Ah, ça peut être une idée. Yes or no? No. Ok. Je dis non parce que ça se trouve, c'est du spéculoos et il va en rajouter, ça va être dégueulasse. Ok, là il essaie de faire zéro bruit pour pas spoiler la vidéo, pour pas spoiler à Myriam. Ok, comment ça va se passer? Yes or no? Yes, baby! Oh! Okay, c'est sûr, là je peux pas savoir à ta réaction, mais je suis sûr que c'est un truc dégueulasse. Ah, moi j'essaie de pas t'aider avec la réaction. Mais en tout cas, ça sera un tacos qu'on a jamais vu sur YouTube ni dans le monde, je pense. Ok. Quoi? Après, je peux pas. Ça se trouve, le goût, tu vas kiffer parce que toi, t'as un palais d'Oberman. Quoi? Yes or no? Oui. Yes. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis mort là pour la. N'importe quoi, ceci. Là, à ton avis, il y a quoi dedans? Moi, je pense, il y a du Nutella. Ouais. Des gâteaux et des bonbons. Yes or no? Ok. Je pense que c'est pas bon parce que en vrai je pense que si c'est du sucré après ça passe, mais c'est mélangé. Yes or no? Yes. Oh. En vrai j'ai grave peur parce qu'après ça va être mon tour dans la pizza. Ok. Oh non. Eh, je suis trop intelligent. Je suis trop intelligent. Yes or no? Là, t'es grave inquiète, c'est une dinguerie. Hein. Là, je vois, tu parles pas, t'es en panique. J'ai mais je te dis que franchement, je sais pas. En plus, je sais même pas comment on va le fermer ton truc là. C'est une dinguerie. J'espère que vous avez pas trop dosé sur les trucs pas bons. Bah, c'est toi qui choisis. Hein. Franchement, t'inquiète. Yes or no? Ah, en vrai, oui. Ah, elle a dit yes. Ok, pourquoi pas. J'espère que ça va être un taco sale et pas sucré, parce que là, j'ai pas mangé du sucré. Okay. Arrête, passe-moi, je vais montrer ce que c'était ça. C'était ça, là. Yes or no? Yes!
Elle a spammé le yes. Okay. Viens, 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 ramène la caméra. Regardez, regardez-moi ce chef-d'œuvre. Regardez-moi, on a un truc du jamais vu sur YouTube, c'est n'importe quoi. Donc là, on va procéder au pliage. Ah là, par contre, force à nous. Hein. Ouais, on va procéder au pliage, on va voir comment on va faire. Ah, mais tu me pousses là. Tac, ok. Et... franchement, si tu arrives, t'as un monstre. Et... ok. Là, tu peux ouvrir tes yeux, Myriam. Ok, ton taco, c'est là. Il est juste devant toi. Il est balèze, hein. Tout ça. Là, là, là. Il est juste devant notre tacos. Il est balèze, hein. Donc là, Yacine, je vais te demander de prendre le tacos. Tu peux sentir. Oh yes. Le seul problème, c'est qu'il est balèze. Ouais, vas-y, mets-le. Tac, on le met. Mets la puissance un peu plus chaude. Tu vois le bouton, tourne-le. Ouais, tourne-le. Vers là-bas ou là-bas? Vers ta gauche. Voilà, on met ça à cuire et c'est parti. Est-ce qu'il se plaît, du moins, il n'y a pas dedans. En vrai, tu peux essayer de deviner. Je vais te poser une question. Si toi, tu aurais composé un tacos avec tout ça, tu aurais pris quoi? J'aurais pris des frites. Ok. Des. Nuggets. Cordon bleu. Cordon bleu. Ok. Tranche de dinde. Ok. Frites, nuggets, enfin frites, cordon bleu, tranche de dinde. Avec du fromage pour que ça fonde. Ok. Et ça et ça. Je sais pas, ça c'est des merguez. T'aurais fait un 5 viandes, okay, 4 viandes. Ok, et t'aurais mis quoi comme sauce? Comme sauce? J'aurais mis, je pense, de la crème fraîche. Ok. Chèvre. Et la Deluxe? Ah, la okay, Deluxe, malheureusement, elle est fermée. Elle est fermée, la Deluxe. Je peux te dire que tous les ingrédients que t'as dit, il y en a plein dedans. Ouais. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais ça fume. Viens voir, Yacine, ça fume. On va pas exploser la maison. Je jure ça. Quoi qu'il y ait de cas dedans qui fument comme ça, Younes? Je sais pas du tout. Mais c'est... attends, normalement, tout se cuit. Bah ouais. Est-ce que c'est la banane qui fume? J'ai réussi à découvrir. Yacine, t'as laissé le couteau, espèce d'andouille. Il y a quoi sur le couteau? Du spéculoos, c'est de la crème fraîche. Ah, mais peut-être qu'il y en a pas, je sais pas. Le taco c'est prêt, on va essayer de le découvrir, tu vas mettre un méga croc et tu vas nous dire à ton avis qu'est-ce qu'il y a dedans. Dis bismillah. C'est parti. Ok. Dis la vérité, hein, sois honnête. Parce qu'il y a énormément de saveurs dedans. Déjà une note de 1 à 10. 8,5. What? Ok, tu t'as senti quoi? Non, t'as pas le droit de regarder. J'ai senti un peu de poulet. Ouais. La merguez. Ouais, pour l'instant, t'étais pas loin. Ok, je pense que tu devrais retaper un croc dans un autre endroit. Tape un croc dans un autre endroit. Ouais. Vas-y, tape un croc dans un autre endroit. J'ai senti la sauce barbecue. Ouais. Oh la dinguerie. Et tu sens pas autre chose? Le cordon bleu. Ouais, Yacine, c'est quoi ce truc de ouf? Ok, maintenant tape un croc ici. T'as vu là, regardez. Ici, c'est le meilleur croc. Il a l'air incroyable. Attends, on appelle ça le croc. Fais le croc parfait. Attends, d'abord, retest. Fais le croc parfait. Dans l'angle. Ah là là là, vraiment tout pris. Et après, tu sens pas. Ah, je pense que ce que t'as mis, Yacine, c'est en plein milieu. Bah, il manque encore un croc du coup. Ouais, il manque encore un croc. Je pense que c'est en plein milieu. Pour l'instant, en vrai, ça va, c'est bon. Pour l'instant, je mets une note de 8,5. Wesh, dinguerie, frère. Oh, je crois qu'on va faire de plus en plus souvent des tacos à l'aveugle. Hein. En plein milieu. Oh what? My God. Oh, le croc de zinzin. Ok. Elle pleure tout seul. Elle pleure tellement c'est bon. What? Elle pleure devant le poulet. Ah non, je sais ce qu'elle fait, ce qu'il a fait pleurer. Ah, je sais. C'est la sauce piquante de pizza. La sauce piquante. Elle pleure. Oh, je suis mort. On va le découper en deux parce que c'est une dinguerie. Là, je suis en train de me dire dans ma tête, ils sont passés où les autres ingrédients? De ouf. Younes, ils ont disparu à la cuisson. Jiwallah. Je les vois pas. Ouvre un peu. Je les vois pas. C'est pas possible. Montre à la caméra. Mais regardez, ça a disparu à la cuisson. Attends, c'est quoi cette sorcellerie? Mais il y a que des bons trucs. Fais voir l'autre bout. Wallah, je les ai pas retirés avant de le mettre à cuire. Fais voir l'autre bout, Myriam, au lieu de rigoler. L'autre bout, regarde l'autre bout. Attends, mais c'est quoi? Mais ouais. Mais ils se sont mélangés à la sauce. Oh, le truc de ouf. Oh la dingue, on a trouvé une nouvelle recette, Younes. Dis-lui ce qu'il y avait dedans, elle va péter un câble. Tu sais, il y avait quoi dedans? Il y avait des bonbons au Coca. Au Coca-Cola. Et ça s'est mélangé à la sauce. Il y avait du spéculoos. Il y avait du spéculoos, la sauce spéculoos. Et il y avait des vermicelles de chocolat. Ouais. Ah là, ça, c'est le bonbon qui a fondu, ça se voit. Ce côté-là, il est pas bon. Younes devait faire le défi de la pizza, mais là, il y a eu un événement particulier qui vient de se passer. On a l'arrivée de... Regardez, il se met comme un boss. Je suis le boss, tout simplement. Du coup, tu vas faire la partie pizza? Ouais. Ah, allez, je vais ramener tout ça. Myriam et moi, on s'en occupe, ok? Allez, ouais, tu auras le bouton yes, il se trouvera ici. Tu peux le tester? Tu peux tester. Ah, yes! D'accord. Le bouton no se trouvera ici. D'accord. Le bouton désagréable. Quoi, tu mens? Mais si, c'est le bouton no. T'es moi. D'autre côté. C'est normal, il veut nous troller. Tu vois ça sur ta pizza.
Oh, ok, 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 ça commence comme ça. Mais la dose. Hein. T'inquiète pas pour ça, ma sœur. Ça. Ok, c'est toi le boss, c'est toi qui décide, on va mettre ça du coup. Ok, c'est parfait. En vrai, ça peut passer. Ça peut être incroyable, je suis sûr, ça peut être incroyable. Ça sur ta pizza, Omar. Oh, le gamin! Ok, du coup, on ajoute ça. T'es sûr que c'est chaud et c'est pas froid? Comment ça, c'est chaud, c'est pas froid? Ah non, même si c'est froid, je peux. Après, ça va aller au four. Tu veux qu'on mette ça sur ta pizza? Ouh. Non. Ah ouais, il est chaud. Un autre truc. Ok, est-ce que tu veux qu'on mette ça sur ta pizza, Omar? Oui. Wesh. Voilà, tu penses c'est quoi qu'il a choisi là? Ça c'est du fromage. Pour moi. On en applique. Mais... Est-ce que tu veux qu'on mette ça sur ta pizza? Hein? Tu veux qu'on mette ça ou pas? Oui ou non? Il a dit non. Oh, dommage. My hubs. Dommage. Est-ce qu'on rajoute ça sur la pizza? Ouf. Il a dit yes. Non, il manque un dernier truc. Un dernier. Ouais. Un petit dé. Est-ce qu'on ajoute ça à la pizza? En vrai, je pense, ouais. Moi, je t'aurais conseillé, Omar. Oui ou non? Il a dit les deux en même temps. Ça veut dire quoi? C'est moi qui décide. Ok, bah on va ajouter. Là, t'as fait un banger, Omar. T'as fait un truc qui est... Oh putain, je reconnais le bruit. Du jamais vu. Ok, Omar, tu peux ouvrir les yeux et découvrir ta pizza. Du jamais vu, frère. Oh, la dalle, j'ai fait une... Regardez. J'ai fait une pizza de ouf ici. Un côté salé et un côté sucré. Ouais. J'ai fait un côté de fou ici. Donc ce que je propose, c'est qu'on va la mettre au four et on va voir ce que ça donne. Allez, on va au four. Franchement, elle est bien. J'irais plus faire le gamin. Et maintenant, vu que t'as les yeux ouverts, est-ce que tu veux qu'on rajoute par-dessus ou alors pas du tout de la sauce crémie de luxe? Non, je préfère la tremper quand la pizza elle est cuite. Ok, vas-y, je vais la cuire, la famille. On se retrouve juste après. Léon. Le résultat final, regardez-moi ça. On a le côté salé, le côté sucré, ça a l'air incroyable. Il a flop. Avec la sauce de luxe. C'est truc. Je vous laisse découvrir et déguster. Ouais, goûtez, est-ce toi. Que tu veux que je te sers une part? Yacine. Je te sers une part. Non, 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 pas ça. Non, non. Bon appétit. Non. Voilà. Pourquoi j'ai que les trucs pas bons? Dis bismillah. Toi aussi, tu as goûté en cette pizza. Hein. Bismillah. Ça a l'air incroyable. Incroyable, non? Dis la vérité. Il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre. Allez, tombe. Oh là là. Je me sens vraiment observé. Allez, c'est parti, il va tester la nouvelle pizza qu'il a créée. On va voir si elle est bonne. Le premier croc. Oh là 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 là. Wow. Ah non. Mets une note de 1 à 10. Ah, 9. 9 sur 10. Eh, incroyable. Eh, en fait, en vrai, il a eu trop de chance. Hein. Il a eu trop de chance. Je crois qu'il fait des meilleures pizzas les yeux bandés que certains restaurants, frère. Il y a moyen. Carrément, mais c'est pas il y a moyen. T'es malade. Il tape un croc dans le fromage au milieu, là. Ça a l'air incroyable. Ça brûle. Oh. Oh là là. Par contre, t'as fait souffrir Myriam, mais faut que tu goûtes ta part de pizza sucrée. Hein. Hey, je vous promets, ça a l'air bon. Tu tapes un croc là où il y a du chocolat. Je peux pas goûter quand j'ai fini de manger le salé, ça parce peut que je vais me tuer le bon en bouche. Non, tu goûtes maintenant. Ça peut être incroyable. La vraiment. Connais cette douille. C'est pas bon. Mais pourtant, c'est du Nutella. Comment c'est possible? C'est quoi qui est pas bon dedans? Dans une pizza, en fait, c'est pas bon le sucre. Ça va pas ensemble. Ouais. Mais c'est une pâte moelleuse avec du Nutella. Comment ça ne peut ne pas être bon? Je comprends pas. C'est pas bon. Ça a le goût de quoi? Genre, ça a le goût de. De rien. De rien? De rien. C'est pas bon. Je sais pas. Du coup, si tu devais mettre une note sur la pizza en entière, tu mettrais combien? Je mettrais un 5. 5? Genre parce que ça veut dire qu'elle a. Ça veut dire que la partie sucre, elle a 0 sur 10. Ouais, voilà. Et la partie truc, elle a 10. Ouais, voilà. Votez pour qui a fait du coup la meilleure recette. Donc, n'hésitez pas à voter Myriam ou alors Omar dans les commentaires. Et puis nous, on va vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. La famille, vous et moi. Ciao.